là pour fumer un peu de bon shit. Ah ouais. Et tu peux me croire, celui-là, il déchire complètement la tête. Il a un nom? Volcan. Ouais. Tu remarqueras même pas que tu t'es brûlé l'entrejambe avec ça. Hein? Quoi, oh, pas, merde! Bon, ça me défonce pas vraiment. Bah, ton corps a quand même dû finir par s'habituer un peu. C'est pas grave. On va rajouter un peu d'ingrédients secrets. Deux fois la même chose. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait prendre, putain? Je vais sauter par là alors, faut que je saute. Il était juste là, à moins que ce soit là-bas. Notre ami, Om Namah Shivaya, il nous vient de très loin, en quête de réponse. Nous pouvons les lui donner. Non, pas encore. Tuez-le ! Tuez-le !
Comme ça. Allez, vite! Aidez là! Juste là! Je vais vous massacrer! Om Nam Shivam, Nam Shivam, Nam Shivam, Nam Shivam. Ça pète, hein.
par... Elle était là, ce qu'on doit. Elle est trouvée, hein. Tout ça, ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain ? On frappe avant d'entrer. Où est le journal original ? Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi, et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un acompte. Très bien, je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouge sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi ? Non, je vous entends plus du tout. Ne mille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. Alors, c'était encore... Ah, même pas. La nuit où ta mère a fait le pirate, c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlé à ça. Si tu veux des réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle ? C'est le commandant second de Pagan Min. Elle est venue avec lui de Hong Kong. Elle a de la triade dans son yin-yang. Tu sais ce que c'est, le yin-yang ? Bien sûr que tu sais. Mais... qu'est-ce qu'on fout ici ? On va s'en prendre à un des sites de Yuma et à l'homme qui le dirige. Descends-le. Et on pourra faire à Yuma tout ce qu'on veut. Putain, je crois que c'est... C'est vrai.
Déployez-vous! Et trouvez l'enfoiré qui a fait ça! Il y a un autre cadavre ici! Ouvrez l'œil! Oh, mais les gars! C'est un véritable massacre par ici! Déployez-vous! Trouvez celui qui a fait ça! Je ne posterai plus bas! Merde! Regarde, il est plus dangereux que ce que je pensais! Il y a d'autres cadavres! Je vais aller jeter un coup d'œil pour vérifier que tout va bien. Ça fait si longtemps que j'ai pas senti le goût du sang. Prends la mitrailleuse lourde. Willis, j'ai tué le lieutenant de Yuma. T'es sûr que t'as bien tué le bon? Comment je peux savoir si c'est le bon ou pas? Tu prends une photo de son cadavre et tu me l'envoies. Raté, gamin, c'est pas le bon gars. Celui que tu cherches, il supervise les fouilles archéologiques de Yuma. Je vais te dire, t'as qu'à buter tous les mecs du coin qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants que laveur de chiottes ou nettoyeur de vaisselle. Y a rien de plus américain que de tous les tuer et de laisser Dieu reconnaître les siens. Et appelle-moi quand ce sera fait. T'as des chiottes, toi, mec.
sable, là. Ne faites pas perdre mon temps, bouseux! Thank you.
pas gagner ce terrain. J'ai tué plus d'hommes que tu pourrais imaginer. J'ai trouvé une clé sur un des cadavres. Je suis à court de médailles, petit. Appelle-moi quand le commandant sera mort. J'ai trouvé ! On va faire le tour, hein. Duel, rebelle ! C'est gay dans le visuel ! Ta mère te reconnaîtra même pas quand j'aurai fini. Lance cette grenade. Aucune trace de lui. Je vois Gate. Ne reculez pas. Tu sais pas à qui t'as affaire, mon trésor. Duel, rebelle. Personne ne retrouvera ton corps. Je te tiens maintenant. J'ai tué plus d'hommes que tu pourrais imaginer. Je vais monter là-haut, faire ta fête, tu es bien fait. Ah. Tu me gonfles. Arrêtez pas de tirer!
fou, hein. C'est rien du tout. Après moi, je vais devoir m'éclipser. Quoi? Attendez, comment je fais moi pour sortir de là? Bon courage mon poussin, je reviendrai quand tu voudras décoller. Oh,
s'en tape. Attends, je me rote, moi, je me sauve. Ici. Comment qu'il bouge pas ça, putain, c'est pas possible. Pas si silencieux que ça, hein. Ce n'est pas si silencieux que ça.
faire. Fais-moi le barrer, là. Quand même, hein. Je l'ai eu. Bien. Je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. T'imagines même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. Terminé. Eh ben... bonne petite mission. Merci d'avoir choisi Willis Airlines, mon poussin. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je te recontacte. Bon, moi je crois que je vais arrêter là pour ce soir. J'ai fait un petit montage. Même s'ils font un peu peur par ici. Tu sais qu'à cause de ta mère, j'ai parrainé une classe entière d'élèves pour aller étudier la médecine à Singapour, et ils ne sont jamais revenus. Te rends-tu compte de l'ingratitude? Paul s'est occupé de leur famille, ici aux pirates, et j'ai envoyé mes contacts à Singapour pour les trouver et les récompenser de la manière la plus appropriée. Ah, on s'est bien amusé. Mais voilà, maintenant je me retrouve à m'auto-arracher mon propre furoncle. Gary! Apporte-moi la gaze et l'antiseptique, putain de merde! Bon, j'ai oublié.